Allez, bonjour les petits loups, 71 ans aujourd'hui. J'espère que ma 71e année sera meilleure que la 70e. Qu'est-ce que j'ai morflé? Waouh! Maman qui est partie, mon oncle Noël qui est parti, mon ami Michel qui est parti, d'autres amis qui sont partis. Le Covid, l'agression. Au stand de tir, la journée du patrimoine, 18 septembre. Plein d'emmerdes auxquelles il faut faire face. Et ces 15 jours. Ces 15 derniers jours, j'ai descendu aux enfers. Les enfers de Dante. Bon, ben, je suis costaud. Je suis un Marlitien. Pendant 15 jours, je me suis posé des questions existentielles. Bien sûr, j'ai des amis qui sont de ma fraternité, qui m'ont aidé, soutenu. J'ai une amie, Jojo, qui m'a soutenu aussi. La prise de tête avec mon fils, son éloignement, mes enfants de cœur qui s'éloignent, mes neveux de cœur qui s'éloignent, tout s'écroule. Mais je vais changer cette année. Je vais m'occuper d'une personne de laquelle on ne s'est jamais occupé. Moi-même. J'ai décidé de me faire appeler le nom de ma mère. Donc, je suis en train de faire le nécessaire pour que mon nom usuel soit Des Sauvages Maton. Je me suis toujours senti plus un maton qu'un Des Sauvages. Je suis fier de mon nom, hein. Je suis fier de mon patrimoine. Attention, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais c'est une petite astuce. Technique qui me permettra de mettre les choses au point, de me débarrasser des gens qui sont toxiques. J'aime toujours Tourcoing, mais j'en découvre une autre face. Celle-là, elle me déplaît. M'est arrivé trop de choses. J'ai vu trop de choses qui ne vont pas. J'ai 71 ans aujourd'hui. Un jour, on m'a dit que toi, bébé, t'es un Tourcoignon archétype. Je suis narqué, mais je suis drôle. Je parle pas tôt. J'ai écrit en français. C'est cette solitude de la foule qui m'étreint. Ce sentiment d'être seul. Ce sentiment d'avoir besoin d'aimer l'humain et d'être aimé par celui-ci. Putain, on est dans un monde pouille. En 72, je gueulais avec la JOC, liberté, égalité, fraternité. Je gueulais pour avoir le droit à la parole. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir donné la parole aux imbéciles. Plein de choses que je découvre en faisant mon tour. Puis il y a Maquiaguiné qui me rend jaloux. Ici, tu savais les femmes, les jeunes filles et les enfants qu'ils caressent. Ouais, c'est mon petit compagnon. Ah ouais, c'est 70 ans, je m'en souviendrai. Je passe à avoir tout vu, mais j'ai une début encore. Et j'en verrai encore. Mais je dirai tout dit, Tourcoing, vive Tourcoing. Je mourrai à Tourcoing. Je peux pas vivre ailleurs. Je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne pourrai pas. Allez, mes petits loups, je vous embrasse, terre tous. Un peu de bonne humeur. Et puis... je vais donner un petit truc. Il y en a un hier qui me dit, bébé, combien de photos que tu dois avoir? Ben, j'assène, il n'y a rien que des travaux de la car. Je ne donne d'avoir 5000, je passe. Si les ingénieux, les municipaux, ils veulent t'avoir des photos sur l'évolution de la guerre, ils n'ont qu'à venir. Ça me vient. Et comme je te dis, je dis à terre tous, à celui qui les veut, il m'invite à boire un café. Il y en a pour 2 heures pour le transfert. Il me dit, oui, je reviens à ce que je disais, oui, bébé, il me dit, tu mets les photos, bah oui, il faut savoir une astuce quand même. J'ai 70 gigas de photos, quelques vidéos. Quand je les transfère de mon disque dur pour mettre sur mon ordinateur, je les mets dans un dossier. Et tous les jours, j'enlève des photos.
Eh bien, je vais vous dire, ça fait exactement un an que je n'ai encore réussi à vider ma dossier. Bon, c'est vrai que ça commence à être lancinant, mais j'ai décidé cette année de les mettre. Voilà. Vive Tourcoing, vive ce petit coin. Non, non, je ne nie point que je suis de Tourcoing. Non, non, je ne nie point que je suis de Tourcoing. Allez les enfants, courage, bonne humeur, chassons la tristesse.